Palais royal de Versailles. Résidence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Quelle décadence! Bonne chance, cobaye. Oh, Shay! Et salut à tous, c'est Stéphane. Et aujourd'hui, on se retrouve à Versailles pour la suite d'un aventure sur Assassin's Creed Rogue. Qu'importe, je ne suis ici que pour y retrouver une relation d'affaires. Elle a classe cette tenue, tiens. J'ai appris qu'un groupe de marchands serait présent aujourd'hui. Ils viendront peut-être assister à ma démonstration scientifique. Ils le devraient, ça leur ferait le plus grand bien. Mais si j'étais vous, je ne compterais pas sur leur présence. Veuillez m'excuser. Merci pour tout. Master Franklin. Bon, je dois trouver Charles et cette maudite boîte. On a très peu d'armes. On a la carte au trésor, si on veut. Ce qui va pas être très très pratique. En tout cas, ben voilà, on se retrouve sur Assassin's Creed Rogue. Alors, probablement pour la fin, je suppose. Ah. C'est lui. Charles Dorian. Infiltrer le château de Versailles. Alors, comment vais-je faire ça? Ça me dit que je peux passer par là. Pas que je me fasse choper par les gardes. Hop, on va passer par là. Évitant d'éveiller les soupçons, le mec il court, c'est comme un fou. On va pas éveiller les soupçons, non, pas du tout. Les jardiniers sont là. Là on va nous voir. Là on va nous voir, ça fait pas du tout discret. Voilà, hein, tant pis, hein, merde, hein. Au diable la discrétion. Oh, ça va, ça s'est bien passé, personne n'a tilté. Qu'est-ce que fait la dame là-bas? Quelle est la réunion secrète? Vous faites pas repérer. Alors on va tâcher de ne pas se faire repérer. Beaucoup de soldats dans cette pièce. Je sais pas ce qu'on peut passer par là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette dame là, mais. Je peux pas passer derrière la dame. N'aime pas qu'on me dérange pendant mes réflexions. On va rester comme ça. C'est le triomphe de la vertu sur le vice. Certes, oui. Ça sent que le mec il va se retourner. Hein. Voilà, hop là. On va tâcher de passer discrètement. Pita. Oh, vas-y. Putain, le mec. Salaud. Comment il m'a repéré? Direct, le mec il voit un mec, ça y est, il est suspect. Parano un peu, non? Sauf que j'étais encore dans la zone voilà, du groupe. Et puis d'un coup, j'étais plus. Je me suis retrouvé immobile dans la zone du groupe. Enfin, immobile en dehors de la zone du groupe, justement. Bon, c'est un peu problématique puisqu'on est à côté de... Ça fait pas du tout le mec qui discute en fait. Je
On va tâcher de pas se faire repérer. Et là, par contre, on va se faire repérer un peu. Hop, 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 hop. Oh, qu'est-ce qu'ils font bien de la musique, ces gens-là? Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, dames, alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut passer par là? On peut pas passer par là. Est-ce que je l'assassine? Hop, je l'assassine. Je vais ramasser le corps, je vais le balancer par la fenêtre. C'est un vieux réflexe. Se suspendre. On va attendre qu'il se bat. Voilà. Hop. Il y a des ennemis, mais il y a aussi des... Quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Arnaud. Élise. Oh. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Arnaud. Arnaud, c'est comme le mec dans normalement dans le Unity. Assassin's Creed Unity, il s'appelle Arnaud. Le lien, il est là le lien. Bon, probablement que beaucoup de monde l'avait remarqué. Tout le monde le savait, mais bon, moi je le savais pas. Hop là, je passe vite fait. Il est là-bas. Je vais aller discuter avec ces dames. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Excusez-moi messieurs. Effectivement, l'art français est exceptionnel, hein, pas vrai messieurs? Messieurs, je protégerai cette relique au péril de ma vie. Hop là. Non, je pouvais pas l'assassiner en passant. Arnaud, où es-tu passé? Ah, d'accord. Arnaud, mon fils, vous l'avez peut-être vu. Oh, je l'ai vu, moi, monsieur. Et monsieur? Auriez-vous aperçu un petit garçon? Je cherche mon fils. C'est son fils, alors. Arnaud ? Arnaud ! Il est là-bas. Depuis déjà fort longtemps, très cher. Ah bon. Arnaud ? Où es-tu ? Je peux pas lui parler, lui dire, mais il est là-bas ? Monsieur ? Excusez-moi, monsieur. Cherchez votre fils, il est là-bas. Oh putain. Détecté. D'accord, je pouvais pas lui parler en fait, lui dire tout bêtement, excusez-moi monsieur, voilà, votre fils il est là-bas dans la cour. Je le suis dans la cour et je l'assassine, sauvagement, alors qu'il y a personne qui regarde. Où es-tu passé? Ça aurait pu. Oh, vous! C'est vous le traître! Et le mec il a du sang sur la main, c'est normal. Je solde de vieux comptes, voilà tout. Vieux Connor et ses assassins. Tout ce qu'ont fait les Templiers, la Révolution américaine l'a défait. Alors peut-être nous faut-il en provoquer une autre. Respectez les préceptes de notre ordre. Passe devant le garde, et tous c'est... Et nous défendons, ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes. Restez fidèles, quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Tel est mon credo. Je suis Shay Patrick Cormac, templier du rite colonial. Du rite américain. J'ai gagné en âge, peut-être en raison. Une guerre et une révolution ont pris fin. Une autre va bientôt éclater. Puisse le père de la sagesse nous guider.
D'accord, bon, mais il n'en restait pas beaucoup en fait. En fait, on était vraiment à la fin de la fin. Bon, voilà. Ah, c'est ballot, tu vois. Il reste que 10 minutes, enfin, ça a duré que 10 minutes. C'était vraiment une mission assez simple. On va laisser un peu le générique. C'est quand même une mission assez simple, pas très très longue. Dommage, j'aurais pu creuser un peu plus à ce niveau-là. Ça aurait été sympa. Mais bon. Donc, on vient de tuer le père du prochain héros. Donc, on comprend déjà, psychologiquement, on comprend un petit peu pourquoi le prochain héros va arriver. Parce qu'il va, son père va se faire tuer par les Templiers, et du coup, il va vouloir se venger. Ça devient tout de suite plus logique, et tout de suite, ça prend tout son sens. Et ça fait une très très bonne liaison à Unity. Hein. Et voilà, ce sera le prochain Assassin's Creed à faire. Alors, je ferai peut-être un let's play un peu différent. Parce que je suis en train de penser dans ma petite tête qu'il faudrait que je repense un petit peu la façon de faire des let's play. Ne rien négliger, débloquer un succès. Puis parce que tout simplement, qu'on m'achète. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici aujourd'hui. Je dois bien reconnaître que t'as largement dépassé ton statut de cobaye. Les données extraites des mémoires de Shay Cormac se sont révélées précieuses. L'histoire de Shay porte un message. Elle nous enseigne que face au danger, l'assassin recherche non la liberté, mais l'ordre. Or, nous incarnons l'ordre le plus élevé qui soit. Ce que vous avez découvert dans l'Animus n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous existons depuis des millénaires, bien avant l'histoire connue de l'humanité, et venons de renaître de nos cendres, derrière la façade d'Abstergo Industries. Mais on le savait déjà. Entertainment. Vous avez franchi le seuil, et ouvert grand les yeux. Vous avez vu le monde tel qu'il est réellement. Il est trop tard pour reculer. On a de grands projets pour toi. Le Père de la Sagesse vous a guidé jusqu'à nous. Et de cela, nous rendons grâce. Nous allons aujourd'hui vous mettre à l'épreuve. Mm-hmm. Et elle commence par un choix. Rejoignez-nous et vous connaîtrez un avenir radieux. On peut choisir ou pas ? Ou sinon, vous mourrez. Vous mourrez. Mais enfin, ça donne un choix très ouvert. Hein. On a vachement confiance en... C'est des... En libre arbitre des Templiers, on a beaucoup de choix. Hein. C'est soit tu meurs, ou soit tu les rejoins. Bon, en tout cas... Donc on verra peut-être le Unity, je le ferai un petit peu différemment au niveau du let's play. Le son est très fort. Est-ce qu'on va passer la scène? Non, toujours pas. Donc je le ferai peut-être un peu différemment le Unity. Et même peut-être certains futurs let's play, on verra bien. Quand la chaîne reprendra son état normal, c'est pas encore le cas. Toujours en travaux qui vont peut-être se prolonger un peu. On verra bien. En tout cas, vous serez les premiers informés de la reprise normale de la chaîne. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là. Puisqu'on peut pas avancer le générique. On peut pas avancer un peu ? Non, on peut pas. Bon, petite pause et on se retrouve une fois le générique fini. Heureux, donc on se retrouve une fois ce générique extrêmement long terminé. Et on revient à la maison. Une fois ce générique qui a duré une bonne quinzaine de minutes. Ma foi, c'était quand même assez long. 15-20 minutes au moins. Mais bon, il faut bien remercier les gens qui ont fait ce jeu. Qui est quand même un très très bon Assassin's Creed. Alors c'est vrai qu'il est plus court que les autres, ça se sent. Ça se sent parce que du coup il n'y a pas beaucoup de séquences. Mais c'est vrai que c'est quand même un excellent jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, parce que l'histoire est vraiment intéressante. Donne un autre point de vue finalement du côté templier, et nous montre que les assassins ne sont pas non plus tout blancs. Il n'y a pas de tout gentil, tout méchant. Ils ont chacun, enfin si, on sent quand même que les Templiers sont quand même assez méchants, mais mais bon, il y a quand même, voilà, on voit que
Les assassins ne sont pas non plus... sont pas non plus tout propres et on finalement on comprend un petit peu pourquoi Achille il voulait pas trop entraîner Connor dans Assassin's Creed 3 parce que il avait fait un petit peu des conneries. Voilà, et on comprend ses bêtises maintenant. Il y a un truc là-haut, on va essayer de le récupérer. C'était c'est l'objectif de la fin de voilà, hop là, ça y est, la fin du jeu c'était ça, c'était le endgame, récupérer le truc. Donc voilà, le jeu finalement est très très bon. Et si jamais je vous l'avais pas fait, et c'est ballot parce que je viens de le faire devant vous. Mais il fallait le faire. Non, franchement, il est sympa. C'est un bon Assassin's Creed. Maintenant, ça sera le Unity en suivant pour suivre cette aventure et continuer un petit peu dans cette histoire. On a déjà quelques liens qui sont faits avec Unity. Donc on comprend un petit peu certaines motivations qui pourrait éventuellement y avoir, après je ne sais pas, hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, Assassin's Creed bien sympa, un petit spin-off bien sympa, qui nous en dit un peu plus sur cet univers. Cet univers qui est, ma foi, sympa, moi j'aime bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce Let's Play jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu jusqu'au bout, et j'espère que vous aimerez le prochain sur le Unity, donc ça viendra quand la chaîne reviendra à son état normal, hein. C'est-à-dire dans quelques mois, puis bon, après, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis là récemment, il y a beaucoup de jeux qui sont ultra intéressants de la mort. J'ai notamment, comme je le disais à Guillaume, Total War Warhammer, on va voir un mec qui a des pop. Total War Warhammer, il faut que je vous en fasse une vidéo d'ailleurs, une vidéo un petit peu présentation, en donnant un petit peu mon avis. Si vous pouvez savoir que je le trouve très bien. Je le trouve très très bien. Et puis voilà, il y a ça, et puis après il y a des jeux Paradox aussi qui sont plutôt sympathiques. Je me referai bien un petit jeu de grande stratégie. Il y a notamment Stellaris, il y a Art of Iron 4, qui a l'air franchement sympa aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs qui ont l'air bien. Bon, j'ai pas tous les jeux, hein. J'ai pas Stellaris, j'ai pas Art of Iron. Mais bon. Hop là. Ça c'est du travail de pro. Décidément, mon ami, vous arrivez à point nommé. Ça, c'est du travail de pro, ça. Donc voilà, donc j'ai pas Stellaris, j'ai pas Heart of Iron, mais j'ai Total War, Warhammer Total War, voilà, il y a d'autres jeux aussi qui sont sympas. Je me suis pris aussi, il y a pas longtemps, je me suis refait un petit kiff, je me suis pris Dragon's Dogma, parce que je l'avais sur Xbox. Alors ça y est, le Let's Play est fini, donc on discute un petit peu. Je l'avais sur Xbox, et je l'avais trouvé très très bien, et du coup, je me suis repris sur PC, et sur PC, il est vraiment encore mieux. Beaucoup plus joli forcément. Et puis c'est toujours un jeu sympathique. Il faudra que j'en fasse des vidéos aussi pour vous montrer de quoi il en retourne pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas voilà, j'espère que pour ce Let's Play d'Assassin's Creed Rogue, ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur cette dernière vidéo, sur ce dernier épisode. Donc il restait la bataille navale légendaire, mais... je vous laisse le suspense de la faire vous-même. Démerdez-vous. Moi, honnêtement, je ne sais pas si je vais la faire. Parce qu'en principe, quand je finis les Assassin's Creed, et bien après, c'est fini, j'arrête, je fais plus. Je continue pas l'histoire. Hein. Enfin, je continue pas les trucs annexes. Parce qu'en principe, quand j'arrive jusqu'à la fin du jeu, je juge en avoir. Enfin, je juge que moi-même, j'en ai fait déjà assez sur le jeu. Je sais pas combien d'heures je suis sur celui-là, mais je sais pas, peut-être une 25 heures, un truc comme ça. En tout. 20h, 25h, et donc ça me suffit, moi ça me suffit, c'est ni pas assez ni trop, c'est bien, c'est comme il faut. En tout cas voilà, je vous remercie encore une fois, décidément je vous remercie souvent, il faut que j'arrête, d'avoir regardé ce Let's Play, et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures sur plein d'autres jeux, plein de nouveaux jeux, plein de vidéos découvertes et plein de choses, mais tout ça, surtout quand la chaîne sera devenue en état normal, mais pas pour tout de suite, mais bon, j'essaierai de faire quelques vidéos de temps en temps. Allez, encore une fois, merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao !